Eh bien bonjour, ici The Tutoful et aujourd'hui on se retrouve pour un live sur Beyond Good and Evil. Donc je vais commencer Beyond Good and Evil. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas tourné sur Beyond Good and Evil, donc excusez-moi si je n'arrive pas trop à fonctionner, je regarde si tout marche. À tout de suite pour les viewers sur YouTube. Et ben re pour tous ceux qui étaient là il y a 2 secondes. Donc je suis désolé. Mon truc à crash, voilà. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui voilà. Donc veuillez m'excuser. Je suis avec quelqu'un d'autre. Est-ce que mon live reprend? Oui. Allô? Ouais, allô. Il a repris mon live ou pas? Ah, oui, il a repris. Ouais. Ok, et ben hop, et merde. Alors attendez. Faut que je modifie un truc dans OBS. Putain d'OBS de merde, des fois qui fait chier. Non, on va choisir. Ok. Ok, bon, tant pis. Je vais l'enlever. Supprimer. Voilà. Et ben, on se retrouve sur le jeu tout de suite. C'est parti. Voilà, on est sur le jeu. Donc, tu es toujours là, oui? Ouais. Donc c'est un vieux jeu hein, qui est de 2003-2004, je crois. Vous avez vu les sections alpha? Regardez leurs têtes, ils ne sont plus humains. Ils sont contrôlés par les dormants. Il faut absolument que tout le monde sache ça. Envoyez vite une photo au réseau Iris. Ouais. Je continue à chercher. Donc alors, bien sûr la rediffusion sera sur YouTube, mais c'est évident. Bravo, Chaudet, on publie. Je transmets aussi au gouverneur. On va bien finir par se retrouver. Allez, au revoir, monsieur. Je sais plus quoi. Oh merde. Putain, le con. Je sais pas si t'as vu, je viens de me faire repérer par les machins trucs là. Oh, oups. Bon, allez, tue-moi, vas-y. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas joué au jeu, hein, juste pour t'expliquer.
Ça fait 2 mois que j'ai pas joué au jeu, donc je connais plus trop les touches en fait. Merde. Eh merde. Eh ben on va se fight. Bon. Donc les combats comme ça ont très peu de chances d'aboutir. Ils sont très forts les... Je sais même plus comment ils s'appellent. Je sais même plus comment ils s'appellent. Les trucs. Donc tu connais le jeu ou pas? Hein? En fait, je t'explique. C'est une reporter qui s'appelle Jade. Bah attendez. Hop, je vais vous montrer le synopsis. Pause. Tac. Alors. Tac. Non. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je. Non quoi? Je parle à ma soeur. Ah, ok, pardon. Tac. Ah putain de merde. Bon bah je vais pas pouvoir. On reprend. Merde. Deux. Tac. Ah j'ai dit on reprend. Voilà. On reprend. À tout de suite. Bah voilà. On a repris. Je vais me faire repérer comme ça. Putain trop discret le mec. Ça va être chiant. Ça va être dur. Un abominable trafic d'êtres humains dans la fabrique de Nutril. L'épreuve dans le numéro 513 de... On va bien finir par se retrouver. T'as vu quand même, ça c'était des humains avant. Ah bon? Ouais. C'était les sections alpha. C'était un peu comme une armée si tu veux. Une armée de... Et après les Doms, les ennemis ont pris possession de... Donc en fait, si tu veux, je vais t'expliquer. C'est Jade, c'est une jeune reporter, en fait, qui sa planète est en guerre contre d'autres planètes et elle a décidé de mener son enquête et de faire partie d'un journal qui s'appelle un réseau qui s'appelle Iris et qui informe sur la guerre quoi. Et là en fait, on est en train d'infiltrer des Doms, je crois que c'est les Doms hein, en plus hein. Ouais j'ai eu les deux. Oh putain cool. Ouais. Voilà. Tape. Désolé parce que je suis malade hein. Donc je tousse. Et merde. Putain je l'avais pas vu lui. Je l'avais oublié lui. Donc j'ai déjà fait cette partie du jeu. Celle-là, juste pour t'expliquer, j'ai mis 8 ans pour la faire, cette partie du jeu. Parce qu'en fait, ce jeu était chez ma grand-mère sur la GameCube. Et donc, ça, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. Si tu veux regarder, tout est sur YouTube. Hein. Et donc, en fait, chez ma grand-mère, j'avais ce jeu. Et donc, j'ai joué pendant 8 ans et je suis arrivé à peu près à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis peut-être 3 heures pour tout faire, quoi, là. Peut-être où j'en suis. Putain, j'ai cru que je l'avais, ce connard. Eux, ils sont... C'est impossible, presque. J'en ai... Dans tout le jeu que j'ai fait, j'en ai tué un comme ça. Depuis que je joue et que j'ai ces ennemis, j'en ai tué qu'un au combat comme ça. Merde, quel con. Il va venir ici. Ouais, c'est bon. C'est un jeu qui est vraiment bien. Moi, je l'adore. Donc voilà. Merde, je me barre. Alors, je me plante beaucoup de touches. Je prends souvent l'appareil photo sans en faire exprès. C'est qu'en fait, c'est une touche que j'ai l'habitude pour courir, mais là, non. Donc, comme j'ai dit, le jeu, je l'ai sur GameCube chez ma grand-mère. Et donc,
J'ai très l'habitude d'y jouer sur GameCube. Donc c'est pas du tout le même gameplay, hein. Donc c'est assez dur quand t'as pas l'habitude. Ah mais barre-toi pas! Mais il est con. Allez. Bon. Putain, mais il est chiant. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est des trucs électriques. Donc, je suis obligé de me baisser à chaque fois que je vais là, quoi. Tac. Voilà, ça c'est où? Donc voilà là, oh putain là aussi c'est chaud. Je crois que j'avais fait une fois, c'est hyper chaud ici. Bah oui je l'ai fait ça c'est sûr, mais c'est hyper chaud ici je crois. Hyper chaud. Merde. Et voilà, super. Voilà, je suis mort. Super, c'est cool. Peut-être d'en haut, je peux les avoir. Je crois que je peux pas. Et voilà, je me fais repérer tout de suite. Demande autorisation au nettoyage zone. Reçu. Voilà. Donc c'est assez laborieux. Hein. Je sais, excusez-moi. Mais c'est assez dur comme jeu aussi. Surtout que moi, j'ai pas l'habitude de finir les jeux en fait. Donc voilà. Oh, on est attaqué. Assistance au binôme. Ça vient de là-bas. Oh voilà. Bon, ça va, je l'ai eu assez facilement, lui. Ah merde, j'ai pas la clé. Ouais, la clé. Parfait, il est stock. Donc ouais, moi je te conseille Antoine, c'est ça, hein. Ouais. Je te conseille de regarder mes premiers épisodes. Le premier, je l'ai fait en live. C'est le seul que j'ai fait en live. Et avec celui-là bien sûr, et c'est vraiment un jeu que j'adore, et donc je te conseille de regarder depuis le début, sinon tu vas rien comprendre quoi. Donc oui, parce qu'en fait c'est un jeu qui est sur la durée quoi. Si même si je t'explique comme ça, t'as plein de trucs que tu comprendras pas je pense. Ok, après tu veux comme tu veux, hein, tu veux ce que tu veux, on est libre, hein, mais c'est juste un conseil comme ça. Merde. Merde, le con. Allez, vas-y, tue-moi. Ouais, je l'ai eu. T'as vu, je l'ai tué comme ça. Ouah, ah non. Ah, je l'ai tué comme ça, quoi. C'est rare. C'est très rare et très dur. Ah, ça, je l'avais pas pris, je crois, en photo. Voilà. Ah, si, mince. Étage supérieur. Je vois où vous êtes. On lance le programme de décor. Merci. Ok, c'est bon, j'ai reçu le mail. F8V9. C'est ça, hein. Attends. Merde. Comment on fait déjà? Voilà. F8V9, c'est ça. F. 8. V. Donc c'est un jeu où il y a beaucoup de mots de passe. Ou de trucs comme ça. Code 1. Hein? F8V9, c'est pas le bon. Lol. Non. T'as vu? Attends.
Ah voilà, j'ai eu peur là. Parce que s'il nous donne un code qui est pas bon. Ah oui. Eh ben là, j'ai fini juste après. Juste après ça, j'ai arrêté, je connais pas la suite. Merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Oula, il y a un bug. Oncle Page. Donc ça, en fait, c'est son oncle qui s'est fait capturer. Tu vois le cochon, là? T'as vu le cochon? Allô? Oui. Le cochon, en fait, c'est son oncle qui s'est fait capturer. Ah, bon. Et donc là, on va essayer de le retrouver, quoi. Ok. Tous les uns. Truc. Ah. Voilà. Alors, c'est un jeu où il y a beaucoup de combats aussi, hein. Et voilà, il est parti pour les abattoirs. Il est parti pour les abattoirs, son oncle. Et on peut rien faire. Pour l'instant. Après, je sais pas, peut-être qu'on va le voir. Par contre, ça c'est vrai, après je connais pas la suite. On se bat contre le boss et après, c'est fini. Après, je sais pas. Tu peux me dire l'heure, s'il te plaît? Il est 14h10. Ok, merci. Bon, à 14h30, je vais arrêter, je pense. Putain, elle m'a eu. Clarkson et Peter. Allez, dépêche. Ouais. Il est mort. Et donc en fait là la perle, les perles ça sert à m'acheter des choses. Tu vois là elle va se transformer en perle. Voilà, c'est une perle maintenant. Et la perle en fait ça sert à s'acheter des trucs. Pour notre bateau ou tout ça. Parce qu'on a un bateau. Et qui roule aussi sur la terre.
En vrai, Paige, tiens bon. Je vais te chercher. Bon, allez, hop, on va chercher la perle. Elle est passée où, la perle? Voilà, elle est là. Prendre. Donc, j'en ai combien de perles? Je sais pas. On peut ressortir par là, mademoiselle Jeanne. Ok. Ah, je prends. C'est toujours bon à prendre. Le principe actif. Bon, je vais hop, sauvegarder. Voilà. El West. On est sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. Ouais, la sortie, elle est par là, je crois. Sauter, mademoiselle Jeanne. Ah, on va sauter alors. Adieu, monde cruel. Bon, hop, voilà. On va... Ah. Si j'ouvre, c'est vrai que ça serait... C'est plus simple, hein, quand même. Dans le... Ah, merde. Oh, putain. Je viens de me détruire un cœur pour rien. Quel con. Comment on fait là? Comment je fais? Putain, allez, un autre cœur. C'est pas possible. Non, je sais pas. On va aller à l'ouest parce que là, la gauche, je sais pas. Pardon. Par là, mademoiselle Jeanne. Ouais, c'est là. Salle de l'ascenseur, ouais, je reconnais. Mademoiselle Jeanne, il y a une paire possible. Désolé, moi je dois y aller, moi. Ok, bon bah, à plus alors. Ouais, à plus. Hop, voilà, c'est bon. Et ben, c'est reparti, hop. Donc, mon ami doit s'en aller, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Hein. Donc, bah, à plus alors. On est bientôt à l'air libre. Donc voilà, hop, il a dû partir. Je vais, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, faut que je descende. Ok, bon bah je suis désolé mais je dois arrêter ici. Allez, au revoir et à bientôt. C'était The Tuto Fool. Une série française sur un petit sur un jeune homme qui s'appelle Jérémy Bellepoix qui est en quatrième à l'école au collège Cadic. Et qui a découvert un super ordinateur. Et ce super ordinateur a quelque chose de particulier, c'est que ce super ordinateur peut peut nous emmener sur un monde virtuel qui s'appelle Yoko, où il découvre une petite fille qui s'appelle Aelita Stones. Aelita, oui,